J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Moi, j'ai un petit air de gastro. J'ai eu un petit air de gastro. Là, ça va un peu mieux. Je pense que c'est la chaleur qui fait des siennes parce que ça fait, je sais pas, environ 2 semaines qu'on est dans un cercle de canicule. Donc c'est un peu étouffant. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo. On est le 31 juillet. Je crois que c'est l'anniversaire de mon cousin. Je suis pas sûre. Je vais aller vérifier. Mais je crois. Mais il regarde pas mes vidéos. Mais je vais lui souhaiter si c'est le cas. Je crois. Donc c'est un... Je vais la poster pour le 1er août. Déjà. Ah oh, ça passe vite. J'ai vu un truc mais après je sais plus avec tout ce qu'il poste, tous les gens qui partagent et tout. Il y avait marqué, il reste plus que 23 vendredi avant Noël. Oh je sais pas, j'ai pas compté. Qu'une idée. mais donc, ce sera un blabla, floustube, mes avancées, mes achats, mes envies, mes plaisirs, mes petits craquages et tout le tintouin. Voilà. Comme vous le savez pour l'instant, enfin peut-être que vous le savez pas, avant j'avais des partenariats, je devais avoir un partenariat, j'ai été contactée, je sais plus, même plus par qui, que, qu'est-ce. J'avais sélectionné des produits et plus de nouvelles. Donc voilà, là je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai des produits que j'avais fait en... que j'avais eu en partenariat, j'ai envoyé des vidéos de mes avancées, des vidéos Flowstube, des vidéos de revues finies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut envoyer des photos des produits finis? Parce que j'ai zéro réponse, donc j'en ai aucune idée. Je vais arrêter de me prendre la tête, je vais faire pour moi. Et puis voilà, mais... quand on voit qu'ils répondent à d'autres personnes, mais qu'à toi, ben, t'es dans les... En gros, t'es dans les spams, quoi. T'es inexistant. Donc, ça fait toujours plaisir, hein. Merci beaucoup. Sinon, à part ça, ben, Naya, ça va un peu mieux. Elle remange. Par contre, elle recommence à se lécher la patte et on recommence à voir un peu... sa cicatrice de sa plaie, de son accident. Donc je pense que quand je vais retourner pendant une semaine dans le nord, on va aller voir le veto pour aller voir tout ça et vérifier si tout est ok. Et pourquoi elle se lèche autant la patte? Parce que je pense que c'est dû au stress, mais je me demande si c'est pas dû à la chaleur aussi. Parce que là, avec le temps qu'il fait, je ne peux pas la sortir sur le béton, hein, pour les coussinets bien sûr. Sinon, elle se brûlerait les coussinets. Et là, dans l'appartement, il fait très 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 chaud. Enfin, il fait lourd, malgré que les volets sont fermés. Là, j'ai pas allumé le ventilateur, mais il fait très lourd. Donc, on est tous un peu morts de chaud. Donc voilà. Enfin, voilà pour les petites nouvelles. Donc cette vidéo sera postée le jeudi 1er août. Voilà. Et on va commencer. Je vais faire tout le temps. Ça va être. Ça va être stressant. C'est pas grave. Dans un premier temps, on va commencer par le DP. Le DP que j'ai fini pour l'événement, je sais plus c'est qui l'avait fait. Je sais plus.
C'était sur le groupe Les Fadas du TP. Thème bleu. Contre la sclérose en plaques. Donc je vous montre. Voici ma gorgeous bleue. Il y a un peu de poils. Je vais l'enlever peut-être avec une pince. Et voilà, elle est vernie. J'ai plus qu'à découper et à la mettre dans mon carnet. Voilà. Donc voilà pour le DP. C'est la seule que j'ai fait. Je vous reprends. Donc, je vous reprends avec ce que j'avais prévu. Normalement, je devais vous faire une avancée mercredi aujourd'hui. Mais voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vais pas faire de vidéo d'avancée tous les 15 jours. Je vais plutôt me prendre du plaisir à faire mes broderies au fil du temps, le temps que je veux, voilà, et les brodés que j'aime, parce qu'en ce moment, le 14 c'était, c'est un peu compliqué, mes yeux fatiguent beaucoup, et le 11 c'était, c'est aussi compliqué, mais voilà. Donc là, j'ai fait avec la roue, et pour l'instant, je vais vous montrer ce qui n'est pas des duos, donc ce que j'ai fait, et qui ne sont pas des duos. Donc j'ai fait un peu de mon oreiller Harry Potter. Donc vous voyez le dessin juste là. C'est une 11CT 45 x 45, Vip Cross Stitch. Je sais même pas si je l'avais eu en partenariat ou quoi, je ne sais plus. Je n'arrive plus à parler. On verra pas grand chose, grand chose. Voilà. J'ai avancé sur le côté, ici. Vous voyez que j'avais fait un peu de confetti là. Et j'ai avancé là, j'ai pas terminé ici. Voilà. Je vous reprends pour le prochain. Donc, une de mes toutes premières toiles, une toile Mickey que j'ai prise sur un site en Broderie Day. Je vais plus sur ce site là, je sais pas. Et voilà, mon avancée. Je suis assez fière de moi. Je vous reprends pour la prochaine toile. Alors, la prochaine toile, c'est les chats cross stitch. Pseudo Joy Sunday, Love Cats 2 en 14 CT de brun, écologique coton floss en 28 x 11. Alors elle est petite, mais j'ai l'impression que je l'avance pas. Ça me perturbe. C'est pour ça que je vous dis, le 14 CT en ce moment c'est compliqué. Donc voilà.
Je pensais pouvoir m'avancer un peu plus, mais j'ai l'impression que j'avance pas. Ça me frustre énormément, mais bon. It's la vida loca. C'est tout, hein. On va pas s'abîmer les yeux, etc. On prend le temps qu'il faut, hein. C'est une toile que j'ai prise sur Vipcottage. Je ne sais plus si c'était un partenariat. Ouais, si c'était un partenariat avec Vipcottage. Voilà. Ensuite, la fille aux fraises, c'est une OCT. Super belle conversion, rien à dire. J'adore la faire. Et voilà où j'en suis. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis en train de faire le rouge de je sais pas ce qui est marqué. Low. Je sais pas, il est marqué. Loi. Loiseau. Je sais pas, je crois qu'il y a marqué ça. Loiseau. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. J'adore cette toile. Je sais pas si je fais toujours par case ou si je fais comme ça par envie. Hop, hop, hop. On verra. On verra au gré de mes envies, comme je dis. Ensuite, on a la monochrome. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai pas énormément avancé hein, parce que la monochrome, c'est du 14. C'était. J'ai juste fait un fil, c'est tout. Alors, la monochrome. Je ne vais même pas la déplier pour vous dire. J'ai fait un fil. Hop. Le fil là, au-dessus. Je ne l'ai pas du tout avancé. Il faudrait que je l'avance, mais c'est pas grave. Je vais pas me répéter, hein. 14-7 en ce moment, c'est pas vraiment mon ami. J'essaie de trouver des solutions. Mais je vais vous montrer l'état de mes lunettes. Elles me font mal. Alors, j'ai mis du plastique. C'est pas vraiment ça qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est ça. Je sais pas si vous le voyez. Le caoutchouc, il s'est ouvert. Et donc à chaque fois ça fait ça et je me prends le fer, le bout de fer sur le nez et ça me fait mal. Je sais pas comment réparer ça. Je sais pas si je dois mettre du scotch. Après ça peut ressembler à rien. Mais donc voilà. Peut-être essayer de mettre du scotch. Maintenant, on va passer au sale et au duo. Donc, j'avais le sale fil de soie. Alors, j'ai pas énormément travaillé dessus, mais j'ai repris goût. Vous ne voyez pas. Viens ici, viens. J'ai repris goût à travailler dessus. Je crois en regardant des vidéos. Une vidéo particulièrement, je crois.
d'une copinette. Je ne sais plus laquelle. Si elle se reconnaît, n'hésite pas à faire coucou. Alors, comme je vous dis, je n'ai pas énormément avancé. Mais voilà. J'ai fait le marron des arbres. Voilà. Juste là. Le marron des arbres des cerisiers. Voilà pour le fil de soie. Mais je commence à y prendre goût. Et ça, ça n'a pas de goût. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le dur gnome que je fais avec Mélanie. Mel. De Diamant Folie. Je vous mettrai sa chaîne en page de... Je suis fatiguée. En barre de description. Donc voilà. En ce moment elle le fait pas parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Puis elle est en vacances actuellement, si je me trompe pas. Donc voilà. Profite de tes vacances. Et puis après elle a beaucoup de points comptés, je crois. Puis elle a tous les défis, enfin tous les événements du groupe. Mais moi j'avais envie de la continuer, donc je lui ai demandé, elle a dit il n'y a pas de problème. Donc ma première case c'était celle-ci. Et ma deuxième case, c'est celle-ci. Donc pour l'instant on ne voit pas grand chose. Et j'ai vu, je ne sais plus c'est qui. Oh, moi et les prénoms, je crois que c'est Virginie, j'ai vu son flosstube. Et j'ai vu qu'elle mettait du scotch. Je pense que je vais faire pareil. Pour délimiter les cases. Parce que à chaque fois après moi je suis là en mode oh, mais j'ai envie de dépasser en fait. Donc ça me perturbe. Parce que à chaque fois j'ai envie de dépasser. Et à chaque fois des fois je dépasse. C'est pour ça que des fois je me dis est-ce que je m'embête à faire des cases ou pas. Mais là, pour celui-là, ben, on fait des cases. Donc voilà. Celui-là, par exemple, je vais devoir le délimiter. Hop. Et c'est un partenariat que j'ai eu avec Out. Door Tide, et c'est pareil, j'ai plus de nouvelles de personne, mais on m'a ghosté, comme on pourrait dire. Le sale des lapins, alors c'était une toile que je pouvais plus voir, c'est cette toile là, c'était celle-ci, celle-là, je sais pas si vous la voyez correctement. Et là, je suis à fond dedans. Je m'arrête plus. Je l'ai encore fait tout à l'heure. Je suis en mode, allez, je vais tourner la vidéo et comme ça, je pourrai broder. On ne m'arrête plus. Et là, je suis contente. J'ai super bien avancé. En fait, je m'étais dit, je vais faire une ligne. Attendez. Je la mets parce qu'elle est grande quand même. Donc, je m'étais dit, je vais faire une ligne. Donc une ligne. Après j'ai dit je vais faire la deuxième ligne. Bon j'ai pas fini. Après j'ai vu que la troisième ligne a commencé. Je suis pas terminée. Troisième ligne quand même. Donc là hop
comme j'étais sur ma ronde, j'ai dit bah, on va s'arrêter, troisième ligne, et on va s'arrêter 3. Là, pour moi, c'est plus simple. Je sais pas pourquoi, mais j'y arrive. Quand c'est bloc, j'arrive mieux à m'arrêter. Que quand c'est confetti, je me dis bah non, il y en a encore, faut continuer. Quand c'est bloc, j'arrive mieux, je sais pas pourquoi. Mais donc, voilà. Là, je me dis pas, oh oui, machin, parce que là, je sais qu'il y a encore plein à broder. Donc, c'est pas parce que j'ai fait quelques croix là que je vais me dire, ah bah non, faut faire là. Non. Là, j'avais fait tout le long là, donc je me suis dit, bah, faut broder là. Donc, on fait le marron. Donc, j'ai terminé par le marron. Et après, bah, je dois continuer les autres couleurs. Et franchement, je m'y prête au jeu et je reprends goût. Donc, c'est pour le groupe... Les Lapins en Folie, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Je vous mettrai le groupe en barre de description. Et en fait, vous pouvez prendre n'importe quelle toile en rapport avec les lapins. Et vous la faites et vous poussez votre avancée sur le groupe. Et là, je l'avais repris en fait aussi en rapport avec ce que Caro avait proposé sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Ou Roselyne, Caro, Karine. Enfin, je sais plus. Je mettrai aussi le groupe. Elle avait parlé d'une toile avec des animaux animés. Mais je sais pas quand elle voulait débuter l'événement. Et moi, j'avais que cette toile-là. Après, si c'est pas encore maintenant, peut-être que j'aurai une autre toile. Et je ferai l'autre toile. En tout cas, je fais celle-ci. Et c'est le sale des lapins. Donc, c'est pour... si jamais c'est pas encore pour l'événement de Caro, c'est pour les lapins en folie. Voilà. Et je suis très contente de mon avancée. Ensuite, le point compté, je me mets une toile. Ah non, alors, il y avait le truc Harry Potter, mais je ne l'ai pas faite. C'était celle-ci, mais je n'y ai pas du tout touché, donc je ne m'y crois pas. Je n'ai pas touché, donc voilà. Et donc le point compté, c'est ça. Alors j'ai pas énormément avancé, mais pour un début en point compté, je trouve que c'est pas mal. Et il fallait que je trouve comment. Alors je vous mets la base comme ça. Et avec la lumière, on voit rien. C'est super, c'est génial. Et. Bon, clairement, on voit pas grand chose. Hein. C'est du stylo effaçable à l'eau. C'est l'oreille du lapin. Et là, normalement, c'est du point. Comment ? Du demi-point. Donc, je vais devoir refaire, mais en demi-point. Mais donc, ici, c'est l'oreille du lapin. Donc je suis assez fière de moi, ça prend du temps, mais ça prendra le temps qu'il faudra. Voilà, pour les avancées que j'ai faites. Alors, maintenant on va parler des achats. Alors, attends, il y a tout qui tombe.
Et là, on va parler des achats. Alors, dans un premier temps, en termes d'accessoires, je me suis pris des trifils sur AliExpress. Voilà. Donc un lot de 5 avec 20 trous. Donc voilà. Et j'en ai pris deux. Ensuite, on va l'ouvrir ensemble. Ça vient d'Amazon, hein, comme vous avez pu le voir. Je sais déjà ce que c'est, mais vous non. Je me suis pris des cerceaux à broder. Voilà. Alors, le petit, je ne sais jamais à quoi il sert parce qu'il est tout petit. Même celui-là, je ne sais pas quoi. Mais c'est toujours utile. Donc, voilà. Et il y a des aiguilles de différentes tailles. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris une toile sur AliExpress. Je vais vous la montrer comme ça. Pour le défi de Caro pour l'anniversaire d'Alice. Stitch. Voilà. Donc là, j'ai tout. Hop. La petite défaite. Oups. C'est un point complet. Donc si jamais vous êtes intéressé, soit je le ferai gagner, soit je le vends, soit je l'offrirai à quelqu'un de mes abonnés. C'est un point compté Cendrillon mosaïque, voilà, quadrillé avec le toolkit et les fils. Voilà. Donc ça, c'est une petite défaite parce que je voulais vraiment la faire. Donc voilà pour mes achats. Ça, j'ai vraiment hâte de le commencer, vraiment. Et voilà pour ce Flosstube qui, j'espère, vous plaira. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il faut que j'arrête de me mettre des barrières, vraiment. Il faut que j'arrête de me mettre des barrières. Parce que si je me mets des barrières et que je me dis dans 15 jours je vous fais une avancée sur ce que je fais, ben j'avancerai plus en fait. Je vais me dire, ah, il faut que je fasse une vidéo. Ah, faut que je m'arrête là. Faut que je tourne la roue. Faut que 15 jours après, après cette vidéo-là, faut que je retourne une roue pour faire d'autres toiles. Et je me dis, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te dis pas si t'as envie de faire une toile par jour, si t'as envie de faire une toile dans la semaine parce que tu l'aimes bien, bah tu fais cette toile-là, point. Et si t'avances plus sur cette toile-là, bah c'est tout, c'est comme ça. Et c'est tout, t'es comme ça, et voilà. Si le 14 c'était pendant un temps, bah t'y arrives plus, et puis dans un mois ça recommence et ça va mieux, bah ça va mieux dans un mois, et puis tant mieux. Mais je me mets trop de barrières parce que, en fait, je veux vraiment vous montrer beaucoup d'avancées, vous montrer que je suis fière, bah, et me montrer à moi-même aussi que je suis fière de moi
et aussi beaucoup de partage en fait. Je veux faire beaucoup de partage et c'est vrai que je me dis ouais, j'ai plus de nouvelles des partenariats, mais les partenariats en vrai à côté, ils mettent beaucoup de pression à dire il faut faire cette toile-là, il faut faire ça, il faut faire ça. Et je me souviens, je crois que c'est Isa et ses passions, je sais plus. Dis-moi, au bout d'un moment, je leur ai dit, j'ai pas 10 mains. J'ai pas 10 mains, donc vous patientez, je la fais. Parce que au bout d'un moment, ça doit rester un plaisir en fait. Ça doit pas être un stress de faire quelque chose. Et moi, j'étais en mode. J'étais bientôt à faire une roue spéciale partenariat. En mode, il faut que je fasse mes toiles partenariat. C'est pas bien ce que je fais. Je fais pas mes toiles partenariat. Mais c'est bon. Ça reste un loisir, ça reste un plaisir. Point. S'ils te contactent pas, c'est leur problème. Et c'est tout. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi peut-être collaborer, mais ça c'est à voir. Je sais pas comment ça fonctionne, mais avec des personnes qui peut-être, oui, ok, ils font de l'IA, c'est pas fait maison, c'est pas, mais aider ces personnes-là comme Chérinette, bon, elle débute, mais je vous mettrai sa chaîne aussi. Mais elle est parent aidante. Et moi, ayant un handicap, ben j'aimerais la soutenir, en fait. Donc dès que je vais pouvoir, je vais la soutenir. Parce que, ok, mais ça, c'est de l'IA, mais ça met un temps fou quand même à faire l'image en soi, à se dire, bah ça, je le veux là, ça, je le veux là. Ça, je veux comme ça et tout ça. Ça met du temps. Ça met du temps. Je sais qu'il y a une autre personne qui m'a contactée, qui fait aussi du diamond qui vend des diamond painting aussi. Pas trop cher en plus. Et qui s'est battue contre un cancer. Bah ça, c'est pareil. Je veux aider ces personnes-là. Alors ok, moi on m'a pas forcément. Moi je me suis battue aussi, pas pour le même problème, mais pour une maladie invisible, la fibromyalgie. Après c'est pas une maladie mortelle en soi, mais elle sera toujours là. C'est ça qui me fatigue en fait, c'est elle qui me fatigue en fait. Enfin voilà, c'est compliqué. Mais j'aurais voulu avoir plus d'aide aussi à l'époque. Mais ça n'a pas été forcément le cas. Donc aujourd'hui, moi, si je peux aider un peu par-ci par-là, en faisant des dons ou quelque chose comme ça. Bah pourquoi pas? En me faisant plaisir et puis sans pression quoi. Donc voilà, je sais pas, j'avais envie de dire ça. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Je trouve ça cool, je trouve ça chouette. C'est bien. Je les encourage énormément. Parce que c'est pas facile. Donc voilà, mais toujours le bras levé, hein. Et avec le sourire, malgré les hauts et les bas. Donc voilà. Donc, je me dis à moi-même, c'est pas toujours c'est toujours facile à dire qu'à faire. Arrêtez de se mettre des barrières dans les pattes. Et pensez à soi, pensez à se faire plaisir, prendre plaisir à faire des choses. Aussi commencer à penser à aider le Papa Noël, parce que ce soit pour cette année ou l'année prochaine,
Papa Noël, il commence avec les JO, ça devient dur et il a dit les JO de l'hiver et tout, ça va être compliqué. Donc il a dit j'aurai besoin de manœuvres. Donc moi j'ai dit bah pas de soucis Papa Noël, je vais t'aider, mais je vais faire de mon mieux, sans pression. Voilà. Donc c'est pareil. Et prenez plaisir à faire les choses. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez envie de partager, partagez. Prenez plaisir à partager. Prenez plaisir à faire des choses. Si vous découvrez des nouvelles choses, moi j'aimerais bien découvrir aussi. Voilà. Enfin voilà, que du bonheur, du positif. Je ne veux plus me prendre la tête. Je sais que c'est moi-même qui me prends la tête tout seul, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo, blabla, Flosstube et blabla et voilà, vous aura plu. Ce sera un peu long, mais ça va encore. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur mon groupe Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Plus on est fou, plus on rit, comme je dis toujours. N'hésitez pas à commenter, à partager, à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié quand une nouvelle vidéo sortira. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!